Le 12 décembre, ce n'est pas une date anodine. Déjà, c'est la date qui a été choisie dans toute l'Europe pour que tous les salariés, dans toutes les entreprises, se battent contre l'austérité. C'est à cette date-là qu'aura lieu une grande euro-manifestation à Bruxelles. Mais c'est aussi ce jour-là que la Fédération de la métallurgie appelle l'ensemble des syndicats, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des syndiqués et salariés à se mobiliser contre les mesures d'austérité dans la branche. Et ces mesures d'austérité dans la branche, elles prennent la forme d'un accord, celui qui a été signé le 7 février 2022. Je parle bien sûr de la nouvelle convention collective. Donc, tous ensemble, le 12 décembre 2023, combattons cette austérité, combattons cette convention collective, portons haut et fort le projet CGT d'un autre système de classification qui n'exclut pas le salarié et obtenons enfin une convention collective de haut niveau.